Alors, ce qui est important de noter, et pour bien comprendre la dimension essentielle de ces négociations, c'est de revenir un peu à l'origine de cette convention. Il y a eu une extraordinaire mobilisation scientifique dans les années 80. Les scientifiques ont alerté la communauté internationale sur le défi global que représentaient les émissions de gaz à effet de serre et, de manière générale, le changement climatique. Donc, en 1992, une convention internationale a été adoptée. Pourquoi cette convention est nécessaire et pourquoi il est nécessaire que ces négociations continuent de se poursuivre sous l'égide de l'ONU, c'est parce qu'on est sur un défi global. C'est-à-dire que le changement climatique concerne l'ensemble des populations de la planète et ne concerne pas seulement un pays ou un autre pays. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire, encore une fois, de conserver ce cadre multilatéral d'action, qui bien sûr est imparfait, qui est très fragile. On l'a vu lors de la dernière conférence internationale à Cancun l'année dernière. Le système onusien a été à deux doigts d'imploser. Mais aujourd'hui, nous souhaitons nous positionner fortement pour que ce processus international puisse être maintenu. Et on peut peut-être penser à Churchill qui disait que la démocratie était le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Et aujourd'hui, on est un peu dans la même situation. L'ONU, c'est le pire des systèmes, hélas, à l'exclusion de tous les autres. Alors, il y a deux grands enjeux très forts pour la conférence de Durban. Premièrement, il y a la question de la poursuite du protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto, c'est le premier protocole concret d'application de la Convention climat qui engage les pays développés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce protocole de Kyoto termine sa première période d'engagement en 2012. Et aucun accord n'a pour l'instant été trouvé entre les États pour savoir si oui ou non on poursuivait ce protocole. Deuxièmement, une question fondamentale également qui sera très débattue à Durban, c'est la question des financements, qui a d'ailleurs fait l'objet tout récemment de discussions au G20. Les États se sont engagés il y a 2 ans à pouvoir abonder un fonds vert à hauteur de 100 milliards d'euros par an à partir de 2020. C'est une somme considérable, mais qui est nécessaire pour pouvoir aussi garantir un niveau de solidarité internationale. Et à l'heure actuelle, les moyens concrets d'abonder ce fonds vert sont très incertains. Ce qui est important également de noter, c'est que l'objet de notre avis concerne bien sûr la conférence internationale de Durban, mais il souhaite aussi se placer dans un horizon plus long terme, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, les négociations internationales sont très fragiles, et il est important que le CESE puisse avoir une ambition de plus long terme sur des négociations auxquelles nous sommes attachés. Alors, nous sommes en grave période de crise économique et cet avis du CESE aussi souhaite pointer l'importance de ne pas oublier les grandes crises écologiques qui nous frappent, parce que la crise écologique et plus particulièrement la crise climatique a un coût. Dès 2006, des économistes ont pu évaluer ce coût en montant de PIB non considérable. Et donc cette crise écologique nécessite aussi d'avoir une ambition climatique. Mais cette ambition climatique et les politiques climatiques qui doivent être mises en œuvre ont des impacts sociaux qui peuvent être forts s'ils ne sont pas anticipés. Donc notre soutien au concept de transition juste, qui est un concept qui a été porté au niveau international par les syndicats et qui a été adopté récemment, l'année dernière, dans les documents de négociation, c'est la possibilité, bien sûr, d'avoir des politiques climatiques ambitieuses, mais de ne pas oublier le lien fort entre les inégalités environnementales et les inégalités sociales, et pouvoir porter des messages, notamment en matière d'emploi de qualité et décent, et la possibilité aussi de valoriser le dialogue social, de valoriser l'innovation sociale, de valoriser les compétences et de mieux anticiper les crises sociales et écologiques par des politiques aussi d'adaptation.